Peut-être bouger ça. Enfin bref, on verra. Parce que du coup, si je fais ceci, voilà. Voilà. Je retourne dans le jeu qu'on apprécie ce son de vent. D'une beauté sans pareille. Pour l'instant, tu vois, ça fait pas si peur que ça. Faut savoir que j'ai choisi donc la version PS1. Faut dire qu'on se tire une petite balle dans le pied en faisant ça, parce qu'il y a des versions beaucoup plus jolies qui sont sorties. Il y a la version GameCube par exemple, il y a une version PS2, enfin bref, il y avait tout pour avoir des graphismes meilleurs. Mais est-ce que la magie ne réside pas dans le pixel? Parce que ce qui nous a fait la beauté de la première fois, c'était quand même le visage de Harry, de Ron, de Neville. On va sûrement le revoir, Neville. Donc, et surtout, cet émulateur adoré qui, dès que tu le titilles un petit peu, te fait un petit... Tu vois? Ça s'entend pas bien parce que là, y a pas assez de bruit. Mais on se souvient tous du gros problème qui était arrivé dans Harry Potter 1. Pour le coup, qui s'était déclenché, je crois, sans que je titille la fenêtre. Mais bref. Bienvenue, Lily Kiruma. Alors attention. Niveau alerte box, soutien et nouveaux membres. Il y a eu plus ou moins du nouveau lors des derniers lives. Est-ce que ça va fonctionner? C'est une question compliquée. Hein. C'est une question à laquelle je n'ai pas forcément la réponse. Parce que théoriquement, c'est là. Encore faut-il que ça fonctionne. Donc, allez, vas-y. Quelqu'un est passé par là. Il faut s'afficher. Allez. Super. Ça marche très bien. Je suis content. Activez-moi ce sub only. Mais attendez, on est encore en pré-live. Oh my god! Ça fonctionne! Lily a maintenant un énorme membre. Mais posez votre membre dans le chat, ma chère. Ma chère, mon cher? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. À savoir, oui, alors, on avait fait des petits trucs avec des gifs très rigolos pendant les soutiens. Et dont le soutien impétueux, qui était réglé en mode random la dernière fois, je crois. Or maintenant, il n'est plus en mode random. Il est à une somme particulière. Alors je crois que j'ai mis un truc genre 14,50 € parce que je voulais pas que ce soit genre 2,20 € parce que sinon tout le monde allait le faire. Du coup, on perd le charme du truc. Donc j'ai mis un peu haut pour pas que le tweet impétueux, enfin le soutien impétueux arrive tout le temps. Mais bref, le truc de base, c'est juste un petit son classique avec un gif rigolo. Voilà, ça c'est le truc de base. Et les trucs spéciaux, vu que j'ai vu comment mettre un chiffre précis, bah, je pourrais en mettre petit à petit. Et il y a bien sûr l'alerte rouge. Quand on dépasse les 100, il y a Diva. Diva en mode policière qui vient et qui fait une alerte rouge. Voilà. Je sens toute la magie dans le jeu de bruyage Team Serpentard. Ah, merci. J'aime beaucoup les Serpentards. Merci Adélie. Alors théoriquement, tu devrais avoir un truc qui va pop là. Hein, mais bon, ça a l'air lent du cul. Oh, au pire, c'est pas grave si c'est un petit peu après coup. Et Ouh. Ah, regardez-moi ça! Bref, magnifique. Ça fonctionne en tout cas. Et puis le truc qui parle, vous savez? Je crois l'avoir désactivé. Peut-être que je pourrais le réactiver, mais je crois l'avoir désactivé parce que c'était un peu relou. On peut regarder. Bon, il y avait un côté rigolo, hein, mais c'était déjà, on avait déjà mis 50 € parce que sinon, on en bouffait à chaque fois. Vous voyez, je sors de la fenêtre du jeu, il y a donc plus de son. Hein. Mais je crois que je l'avais désactivé le temps de faire des tests parce que j'arrêtais pas de l'entendre. Et je me suis dit non, mais c'est chiant parce que du coup, si je fais. Enfin, si elle parle et que je fais un son spécial. Enfin, bref, ça va parler par-dessus, ça va être pénible. Mais bref, pourquoi pas le réactiver? Je suis pas encore arrêté sur cette idée. Je vais aller voir. Je pense que je l'ai désactivé en attendant. Ouh. La courgette, elle court et elle se jette. Comment ça, c'est une aubergine? Je m'en fiche. Non, c'était une aubergine, attention. C'était une magnifique aubergine. C'était même un membre, d'ailleurs. C'est pas une aubergine, forcément. Donc, alerte box. Qu'est-ce qu'on avait dit? C'était où la dernière fois? On va démarrer dans combien de temps? 2 minutes. Oh, j'ai bien le temps d'activer ça. Et alors, j'ai fait quelque chose d'encore plus extraordinaire que vous n'avez pas vu.
Mais ce sera à la toute fin du live. Et je sais pas quand c'est à la toute fin du live. Firespin, merci énormément depuis le temps qu'on l'attend ce live. Merci de faire ma soirée. Ok, j'espère que ce n'est pas uniquement Oprah tout excité là qui arrivera. Mais normalement, c'est censé être random. Ah bah voilà, c'est bon, ça fonctionne. Petit tips pour toi, Enigmo et Pika. Merci à vous. Attendez. Attendez. Stop it, Lemric. Stop it. Posez la CB. Je ne suis pas prêt. Qu'est-ce que je cherchais déjà? Oui, que ça parle. Il fallait que ça parle. Text to speech. Disable. On va le enable et donc c'était marqué à 50 euros. Exprès parce que sinon ça parlait tout le temps. Donc faut quand même en vouloir, hein. Voilà. Et à la limite, je peux vous montrer en attendant que ça commence. Donc nous avons celui-ci. On l'a déjà vu. On a celui-ci. Voilà. Le classique. This is a test super chat alert for 88 euros. Voilà. Parce que du coup, supérieur à 50. Nous avons la vieille à 14,50. Voilà. Et nous avons l'alerte rouge. Je vous la montre parce que j'ai pas envie de déclencher un soutien à 100 une fois pour la, uniquement pour la voir, mais ça fait une alerte et tout, hein. Are you ready? Et ça va parler, du coup. Sors le truc! Et du coup, ça parle pas? Pourquoi This is a test super chat alerte force 100 euros. Elle parle après, bah c'est parfait. Bonsoir, voyage, j'ai retrouvé mon abonnement, je suis contente. Je fais un petit don et je ferai un plus grand le mois prochain. Merci beaucoup. Voilà, donc pour l'instant, c'est tout ce qu'il y a. Hein. Écoutez, si elle parle après le son, c'est peut-être pas plus mal. Comme ça, finalement, c'est peut-être bien. On va save. Et puis, pour les nouveaux soutiens, il n'y en a toujours que deux. Hein. Il y a toujours deux aubergines. Voilà, l'énorme membre. Et celle qui se... Voilà. C'est des sons classiques. J'avais pas envie de mettre des sons trop spéciaux. Voilà, et du coup, il y a un nouveau truc que je vous montrerai à la toute fin du live. Et qui devrait être rigolo. Donc, maintenant que ça s'est fait, ça que c'est dit, quoi, on va partir pour démarrer ce jeu. J'ai fait l'acquisition d'un magnifique pin Serdaigle vendredi, je suis ready. Eh ben, on est parti. On est parti. J'annonce 40 minutes pour faire une mini-pause. Une mini-pause juste pour couper, enfin, pour les rediffs. Je vais essayer de faire plusieurs rediffs. Je sais pas trop ce que ça va donner. Mais sinon, je sais pas quand est-ce que ça se finira. Voilà, mini-pause lancée. Par contre, mini-pause, tu vas te mettre un peu plus comme ça. Bah, qui a besoin de plus de son ou moins, bah, on verra, on changera. Et puis du coup, j'ai pas activé le team soutien sponsor, quelle erreur. Oh, mais qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il fait? J'arrive. Allez sur Twitch si vous voulez discuter, gratos, sans problème. Hein, y a pas de soucis avec ça, passez sur Twitch. Mais le chat YouTube est pour les sponsors, les soutiens qui ont un gros membre, tu vois. Hop! C'est parti! Ok. Ouf, bonsoir Brie, bon live et bon jeu. Merci Kevin! Sauvegarde auto, ben, on va quand même dire oui parce que j'ai envie que ça sauvegarde cette histoire. On n'est pas à l'abri d'un plantage de l'émulateur, donc vaut mieux que ça sauvegarde. Je tombe sur le bon live, c'est... C'est mon Harry Potter préféré, continue, t'es super. Bah, Golden Luffy, je sais pas si ça va vite, si ça va rester. Oui, vas-y, il me saoule, là. Si ça va rester ton Harry Potter préféré, hein. Ah, regardez-moi ces Golden membres dans le chat. Aucune sauvegarde, mais vas-y, veux-tu en créer une, là? Il me saoule déjà, ce machin. Harry Potter et Hermione Granger sont de retour. Est-ce qu'on peut jouer? Ça y est? Mais il n'y a pas de son dans ce jeu, comment ça se passe? De nombreux événements avaient eu lieu au cours de la première année passée au collège Poudlard
école de sorcellerie. Résumé. Avec ses amis, Ron Weasley et Hermione Granger, Harry avait réussi à vaincre Lord Voldemort, le mage noir le plus redoutable de tous les temps. Voilà, toujours les bons, hein, Hermione Granger, Harry toujours là. Harry est revenu au 4 Private Drive. On l'enferme dans sa chambre et il ne peut pas s'en échapper car il est strictement interdit d'utiliser la magie hors de l'école. Un soir, vers la fin de l'été, un elfe de maison appelé Dobby fit son apparition. Dobby supplia Harry de ne pas... Il y a la tête du Tips dessus. Harry Potter ne doit pas retourner à Poudlard. Si Harry Potter retourne à Poudlard, il courra un danger mortel. Il existe un complot, Harry Potter. Un complot qui provoquera des événements terrifiants à l'école de sorcellerie de Poudlard cette année. Dobby Quinn. Oui ? Faut que je valide ? Non, ça avance. Dobby disparut et peu après, Ron Weasley, Fred et George, ses frères, arrivèrent dans une Ford Anglia volante afin de libérer Harry de sa prison. Harry leur parla de l'avertissement de Dobby. C'est bizarre. J'imagine que Dobby a été envoyé par quelqu'un qui voulait te faire une mauvaise farce. Il y a une grosse ambiance quand même. Tu vois pas qui pourrait t'en vouloir à l'école ? Drago Malfoy. Ah, Drago Malfoy, toujours là. Ils arrivent enfin à la maison de Ron, le terrier. Atterrissage ! La mère de Ron, Molly Merci, Weasley, Solène. Traversa la cour et s'arrêta devant eux. Elle n'avait pas l'air contente. Lily vide, pas le moindre mot. La voiture disparue. Folle d'inquiétude. Elle sembla... Ok, Molly Weasley ne fait pas de phrase complète. Enfin, lorsqu'elle se fut... Elle s'exprime en quelques mots. Ni sujet, ni verbe, ni complément. Contente de te voir, Harry. Ronald Weasley, je croyais t'avoir demandé d'empêcher la goule de faire du tapage. Elle n'arrête pas de jeter des tuyaux dans le grenier. Elle va me rendre folle. On y va, Harry. C'est ce qu'ils firent. Quelle ambiance. C'est ce qu'ils firent. Alors, est-ce qu'on a un peu de musique? On a une sauvegarde. Super. C'est cool. J'en suis heureux. Va-t-on pouvoir jouer avec un peu de musique, s'il vous plaît? Ah, regardez ça. Ah oui ! Bienvenue chez moi, Harry. C'est un petit... C'est génial ! C'est génial ! C'est le terrier. Écoute, Harry, si la goule a encore verrouillé la porte du grenier, il va falloir trouver un autre moyen pour entrer. Ah ! Ah, j'ai la baguette qui crépite, Harry ! Je vois que papa a laissé des clés. On pourrait les prendre pour grimper sur le toit, puis par la fenêtre ouverte du grenier. Comme tu es resté coincé chez les Dursley, tu peux maintenant t'entraîner au sort repousse-tout sur les caisses. N'oublie pas d'appuyer sur la touche 3 pour le jeter. Me voilà aux commandes. Me voilà aux commandes. Flipendo. Flipendo, flipendo. Il dit pas flipendo. Flipendo. Oh. Ah là là, regardez-moi ces textures qui dégoulinent. Mais c'est pas possible, j'ai fait un pas, il me refait une cinématique là. Une ambiance de dingue ce soir, un plaisir. C'est ça. Merci. Super. Weasley, je croyais t'avoir demandé d'empêcher la goule. La maison me parle. Elle n'arrête pas de jeter des tuyaux dans le grenier. On va grimper sur le toit et passer par la fenêtre du grenier. Oh mon Dieu, regarde-moi, mais cette gueule. Pour grimper sur une caisse, dirige-toi dessus et pousse avec la touche directionnelle haut. Ouh, j'adore ces trucs là-haut. Alors, il faut que je pousse avec la flèche directionnelle haut. Super. À toi, Harry. Approche-toi de la petite caisse pour grimper dessus, puis avance vers le creux pour sauter. Super. Avance vers la petite caisse. Mais d'abord, pouvons-nous lancer des flipendo sur les poules ?
Ceci est-il vraiment une poule ou un écureuil? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ou alors c'est un poulet mort qui fonctionne encore? Flipendo! Flipendo! Eh, ça va le son au fait? J'ai cru entendre le quatrième mur qui explose. Ah non, mais dans ce jeu, déjà dans le premier, c'était n'importe quoi. Regarde-moi bien, Harry. Non, je préfère. Bon, du coup, je monte sur les caisses. Et j'avance vers le creux, hein. Puisque le premier mot qui vous vient quand vous voyez un trou devant vous, c'est le creux. Un peu fort, je trouve. Ben, je trouve aussi, donc je pense que voilà. Je pense que voilà. Mais j'avance vers le creux. Mon dieu, la taille de cette fenêtre, tu peux te... Okay. Ok, comment on baisse le son? Comment je vais baisser le son? Je vais tenter quelque chose. Vous me direz si c'est... Faut qu'on fasse taire la goule. Elle n'arrête pas de cogner sur les tuyaux et de les laisser tomber. Maman va devenir folle. Sers-toi de la touche directionnelle pour déplacer la caisse. Essaie d'attraper 60 tuyaux avant qu'ils ne tombent par terre en faisant un vacarme de tous les diables. Bon, Harry, on y va. Un vacarme de tous les diables. Qu'est-ce que... D'accord, j'ai compris comment ça fonctionnait, mais... Mais je sais pas, voilà. je sais pas, écoutez. Autant la goule dans le grenier, je m'en souviens bien. Dans les bouquins, effectivement, dans les films, on n'en parle pas, je crois. Première fois que je peux faire un don et c'est pour toi, merci beaucoup. Mais en tout cas, la goule qui jette des tuyaux, par contre, c'était vraiment dans le bouquin, ça? Je m'en souviens pas, hein. Et c'est long, non? Le divertissement à son maximum! Et où elle... Où trouve-t-elle tous ces tuyaux, cette pauvre goule? Je vous le demande. Ah, j'ai perdu le fil. Oh, le tableau, regarde ça! Bon travail, Harry. Ça va la faire taire pour un moment. Merci pour ton aide. Oh, c'est enfin tranquille. Bon, les garçons, j'ai besoin de vous pour dégnommer le jardin. Trouvez Arthur, il est près de l'abri de jardin en train de tripoter son tricap. J'ai vu marquer tripoter, je me suis dit c'était le moment. Pardon. Pardon. Ce tableau, mais regardez-le! Et cette fenêtre qui est extrêmement trop grande! Rien ne va. Rien ne va. Je commence pas à le faire exprès. Non, mais des fois il le fait sans que je le veuille. Je sais que je peux le provoquer si je veux. Si je vois un mot. Le gros crapaud pour le coup, celui-là, il était épique parce qu'il n'était pas voulu. Bref. On speedrun le jeu là, on speedrun. On y va. Voilà. Hop, ouvrir la porte. C'est parti. Papa laisse traîner son bric-à-brac partout. Ça rend ma mère dingue. Essaie d'écraser ces tonneaux avec un repousse-tout complètement chargé. Qu'on puisse passer par la porte. Alors, en fait, ce qui est chiant, c'est que les dialogues sont pas très forts. Oh! Les fameuses dragées! Il est devenu violent, Potter. Hein. Avant, c'était Flipendo. Maintenant, c'est Flipendo! Eh ben, sympa. Tiens-moi la porte la prochaine fois. Jardinier Simulator. Je sais pas, déjà, je ne sais même pas quand est-ce qu'on va arriver à Poudlère.
T'as vu, Ginny est avec tout en poil. Tu n'as pas envie d'aller bavarder avec elle? C'est Ginny, ça, mais elle a quel âge? Mais elle a quel âge? Moi, je vais voir ce que fait papa. Mais sérieusement? Non, mais là... Elle est immonde. J'avance même plus, le jeu, il joue pour moi. Il y va direct. Ah, mon dieu. Je suis... Ginny. Je cherche tout en poil pour être sûr que Fred et George ne s'en serviront pas comme cognac ou Quidditch. Dirige tout en poil sur les buissons et il va les manger. Tu découvriras des dragées surprises que tu pourras collectionner. À Poudlard, elles te serviront à acheter des cartes des sorcières et sorciers célèbres. Elle est immonde. Il les mangera et tu trouveras peut-être une carte des sorcières et sorciers célèbres. Dès que tu récupères une carte de sorcier, elle est rangée dans ton folio magique. Appuie sur la touche Select. Tu pourras alors voir le folio magique et toutes les cartes de sorciers que tu possèdes. Super. Il y a deux sortes de cartes de sorcières et sorciers célèbres. Les cartes d'argent et les quatre cartes d'or spéciales des fondateurs. Ah ! Ok. J'arrive. Qu'une fois que je... Oh, c'est tout en poil, ça. Alors, on s'est moqué, puis j'ai pas écouté ce qu'il fallait faire. Faut qu'il bouffe les trucs, lui. Oh, qu'est-ce qu'il devient, gros. Viens, approche. Je sens qu'on va avoir du fun pendant longtemps. Continue, n'hésite pas. Vas-y. Bien joué, Harry. Mais elle est morte à l'intérieur. Sorcier célèbre. Félix l'abeille. Quoi? Il vaut mieux que tu trouves Ron, Harry. Il est parti voir papa, c'est par là. Mais regarde là, mais elle en peut plus là, elle part genre. Ah, j'en veux plus. À tout à l'heure. Elle est dégueulasse. L'autre il fait sa vie, il mange tout là. Attends. Félix l'abeille, inventeur de sortilèges d'allégresse. Super. Une carte sur 24. Super. Bulletin. Je sais pas pourquoi, ok. La dame, elle a dit qu'il y avait peut-être une carte dans les buissons. Tu vas tout manger. Il reste des buissons, là. Viens, fais-toi plaisir. Vas-y. Allez, mange donc. La dame, elle a dit qu'elle n'avait plus de... Ça, Ginny, 55 ans, célibataire. Oh, la pauvre. Elle a subi un sortilège. Mais regarde-la, de dos, c'est vraiment... C'est une adulte, quoi, c'est... Mais y a pas de sorcier...
peux soulever chaque objet. Les touches directionnelles te permettent de déplacer les objets. Et si tu appuies sur la touche triangle, il... D'accord. C'est comme dans les cours d'enchantement de l'an dernier. Il vaut mieux mettre la main sur les gants de dégnommage. On ne peut rien faire sans. Soulève les caisses et... Wingardium Leviosa. Ça, ça a pas changé, hein. Go sur les rochers. Pouah. Très bien, Harry, continue. Vas-y. Mais qu'est-ce que tu veux? Wingardium Leviosa. La petite animation très importante. Voilà, voilà, lâche donc. Oh, une carte des sorciers célèbres. Et continue. Super. Je crois qu'il faut jeter ce truc de plus haut pour pouvoir le casser. Wingardium Leviosa. Ça n'a aucun sens. Waouh! Bravo Harry, tu as trouvé les gants de dégnommage. Prends-les. Merci pour ton aide Harry. Tu as aussi appris comment ensorceler des objets et je crois bien que tu vas en avoir besoin. Plus vite on aura dégnommé le jardin, plus vite on ira au lit. Je suis crevé. T'as rien foutu! C'est moi qui ai fait tout le boulot déjà d'une. Ah ah ah! Vanyuls, quelle est donc cette volonté d'entendre l'assistotroll dire Wingardium Leviosa? Merci énormément, merci beaucoup. On attend. On patiente. Wingardium Leviosa. Bon, elle le dit limite comme lui, hein. C'est le moment d'utiliser ses gants de dégnommage. Maman veut que nous jetions les gnomes par-dessus la clôture dans le bric-à-brac de papa. Pour lancer un gnome, il faut s'exercer. Appuie aussi vite que possible sur la touche carré pour avoir de la vitesse. Quand tu auras atteint la clôture, tu te mettras à tournoyer. Appuie sur la touche triangle pour lancer le gnome. Tu récoltes des points pour la distance et quand tu as touché la cible. Mais que c'est long. Appuie sur carré pour tourner. Pardon ? Le gros zéro qui vient. J'ai pas compris, monsieur, excusez-moi. Essaie encore, Harry. Ouais. Appuie sur carré, peut-être tapoter. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça.
Super! Eh ben, c'est bien ça, non? Super, Harry! C'est ton meilleur score! Génial! Alors là, c'était super! On dit les vieux ça et pas les vieux ça! Non, 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 non! Merci. Je vais recommencer. Super, tu l'as tué! Ah. Je sens qu'on va vivre des aventures extraordinaires. Salut, ça vous dirait un duel de sorciers? Non. Un duel de sorciers? Ne me dis pas que tu n'en as jamais fait. Ah, ils sont beaux, hein. Tu apprennes, Harry. C'est dangereux. Mais non, enfin, parfois. Ok. Moi, je voudrais aller à Poudlère, s'il vous plaît. Vous voyez, on dirait qu'ils sont plus petits, c'est bizarre. En fait, ils font tous la même taille. Oh, tout tremble, mais c'est dégueulasse, il y a un tremblement de terre sur ce truc. Oh là 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 là. Trop d'introduction, s'il vous plaît. C'est lent. Allons-y. Je suis prêt. Bon, en fait, c'est très simple de... Ok, c'est bien, merci. Ciao. C'est super, merci. Oh là là. Allez. Je vais apprendre tout seul. C'est pas genre, c'était le seul moment où il fallait écouter le tuto. J'ai le bolossé. Harry Potter et les tâches ménagères. Oh là là, ce jeune est vraiment doué. Pshou, 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 pshou. Ah, l'Emeric nous dit que petit, il fantasme mais sur Fred. Putain, il l'a tué, quoi. Mais vas-y, lui, il vise comme un fou furieux, là. Joli travail de Potter. Il se débrouille bien pour un débutant. Nickel. Preuve de beaucoup d'imagination. Il a remporté la deuxième reprise et égalisé la compétition. Super. Ah, Lucie, Lulu, Sietu a maintenant un énorme membre. Allez. Le duel démarre et Fred prend très rapidement le rythme. Tiens. Oh là là. Tiens. Le jeune est vraiment doué. Appréciez l'ambiance sonore. Allez, c'est bon. C'est bon, j'ai appris à faire un sort. Ce jeu me fait peur, c'est un jeu d'horreur, non? Même pas. Mais quelle ambiance! On va recommencer, mais avec des sorts spéciaux cette fois. Bonne idée, Fred. Tu vois cette télé comme elle étincelle? Ça veut dire qu'elle contient un sort spécial. Pour l'obtenir, tu dois m'obliger à toucher la télé avec un de mes sorts. Ça va déclencher un orbe sur lequel tu peux passer pour récupérer le sort. Tout ce qui étincelle comme la télé contient un sort spécial. Alors ouvre l'œil. Oh, j'ai failli oublier. On peut jeter les sorts spéciaux uniquement avec la touche rond. C'est très important. On va essayer. En garde. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Tiens, touche la télé, là. J'ai un sort spécial. Bam! C'est bon! Regardez bien! Ce match restera dans les annales! Très beau travail! Tiens, viens, 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 viens!
Ok, sort spécial. Super, super, génial. On adore. Ah, c'est vraiment une partie de plaisir, ce jeu. Pendant qu'un fouf se lance par Harry et qu'il reçoit aussi un autre fouf. Oui, oui, ce match restera dans les annales. Bien profond. Et c'est bien ce qu'il dit, y a pas de souci. Voilà, on l'a. Ah, contre Voldemort, ce sera pareil, ce sera dans un jardin, il faudra le faire lancer un sort sur la télé. Hein. C'est évidemment le même principe. Mais viens là, là, tu vois bien que la télé, elle est là. Ça y est. Quel gameplay, mes amis, quel gameplay! Ah, il s'est pris une grosse jaune. Ah là 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 là, mais quel bordel! Magnifique action! C'est, ça se dit. Bien joué! Mouvement de victoire! Installez-vous confortable. Pourquoi il y a des fleurs? J'y crois pas. T'as un don, Harry. Voulez-vous refaire un duel? Non. Pourquoi il y a des fleurs? T'as la fin. Bon, ma foi, écoutez, moi je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne veux plus. Je ne sais pas comprendre, voilà. Il faut qu'on trouve Ginny. Elle est partie je ne sais où et on l'attend pour acheter nos fournitures d'école au chemin de traverse. Oh merde, on a perdu la mamie Ginny. Ah, tais-toi. Le fameux labyrinthe derrière chez les Weasley, hein, c'est normal. Ça ressemble étrangement à la forêt interdite d'Harry Potter 1 quand on y a joué. Attention, 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 attention. Bien visé! Mais qu'est-ce que tu vises là-bas, toi aussi, là? Mais pas de grenouille. Bon, j'avance. Ouvrir la porte. Vas-y. Vas-y. On verra bien. Ginny ! Une machine à laver. Le boss machine à laver. Ouh, elle est vénère, c'est sûrement pas une Whirlpool ça. Oh non, oh là là, les FPS. Prends-toi un ou deux Flipendo, R1 pour viser, tiens, R1 pour viser, tu vas voir là. Oh, elle a failli se prendre un slip. Elle s'est fait bolosser la machine. Et ensuite. Wingardium Leviosa. Mais ça marche pas du tout ton truc. Wingardium Leviosa. Hello, Ryan Leslie. Grimpe, 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 grimpe. Je ne sais pas où je t'emmène, à vrai dire. Ah mais non, c'est pour grimper dessus, bien sûr. Je pensais qu'il fallait la détruire.
Mais voilà la vérité. Attends, je peux la récup? Je ne peux pas. Méfiez-vous des machines qui tombent les haies. C'est un danger par ici. Est-ce que je peux grimper là-dessus? Apparemment non. Je peux pas grimper là-dessus? Ramenez la machine, s'il vous plaît. Ramenez-moi cette machine à laver, je veux monter. Je veux monter. Ah ah! Allez, vas-y. Voilà. Brave petitote. Mais non! Allez. Allez, voilà. Les bonnes dragées. Attends. Il y a même pas un petit... une carte de sorcier, là? Je trouve ça assez décevant. Cherche quelque chose à ensorceler sur le pavé de pression. Le pavé de pression. Tu sens la traduction approximative, mais... Et donc, Ginny, elle a fait ça. Mais pourquoi? Je sais pas. Ginny! Oh non, mais c'est pas possible. Il y en a combien des tondeuses, franchement, chez les Weasley? C'est un cube de sécurité sans bord, exactement. Oh là là, il pleut du sucre. M'avez eu. Ouiou. Bon, écoutez, pour le moment, énormément de fun, hein. C'est pour ça que j'ai choisi ce jeu. Nerolosta, c'est à cause du traumatisme de cette machine à laver que je me suis ouvert le genou, effrayé par celle de ma mère, de merveilleux souvenirs. Attends. C'est vrai, Nerolosta? Tu as vraiment subi une agression physique par une machine à laver? C'est un problème qui n'est pas pris au sérieux, je trouve, par la société actuelle. Je passe! Non! Mais non, mais c'est pas possible! Putain, mais elle a détraqué combien de machines, Ginny, là? Stop it! Non, je t'ai plus, là! Faut viser. Harry Potter et les machines à laver. Ah, même pas, elle se met directement sur la, je sais plus quoi, de pression là. Putain, mais Ginny, si elle est partie à l'autre bout de la planète, là, faut lui foutre la paix, hein. Tant pis pour elle. Là, faut être motivé, hein, pour tout faire. J'avance, hein. Pourquoi il y a des machines à laver dans cette forêt? Mais parce que la famille Weasley débarque toute leur merde dans la nature. Qu'est-ce que c'est? Non, bah, encore un merdier là-bas. Il y en a partout. Oh, on l'a raté. Attends. Qu'est-ce que tu me fais? Lâche ce. C'est bon. Oh merde. C'est pas grave. C'est tôt. On va rush un peu, hein. Parce que...
J'ai une rentrée à préparer, moi. Oh non, faut tout tuer, là. Ah! Eh oh! C'est bon. Wingardium Leviosa. Au pire, la prochaine fois, saute par-dessus la barrière. Suggestion, hein. Pas la peine d'enlever le cadenas, tu peux passer par-dessus. C'est la bêta. En tout cas, la musique a décidé qu'on est trop lent et que c'était plus la peine, là. Mais c'est pas vrai, mais c'est lent! Mais Ginny, elle est pas passée par là, elle avait pas d'arbre, donc c'est pas possible. Wingardium Leviosa. Ginny, elle est moche, elle finira par s'éteindre. Ginny, la terreur aux machines à laver. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Ah! Oh Harry! Ah, Harry! Ah, tu es là? Le tout en poil a avalé mon rappel-tout et je me suis perdue en le cherchant. Ah bah oui. Mon rappel-tout te signale si tu as oublié quelque je chose. Je sais. Je te le donne, Harry. Je n'ai pas ma baguette magique, magique. Mais tu peux. Mais regardez-moi ses pieds! Tout en poil et il le recrachera. Ah mais rien ne va, Ginny, rien ne va. C'est bon, rends le rappel tout. C'est un ogre. Ce sont les pieds d'Hagrid. Ah, te voilà, Ginny. Bon travail, Harry. J'espère que le bricolage. C'est moi, Ginny. Mieux de ils ont déjà placé au moins 4 fois le mot bric-à-brac. Hein. On peut aller au bric-à-brac chemin de traverse si tu veux. J'adore parce qu'elle court tout le temps. Mais on va tellement la revoir en plus parce qu'elle va avoir le journal Géduzor de Géduzor. Du coup, elle va courir avec le journal. Ah non. Comme tu n'as jamais pris de poudre de cheminette, il faut qu'on t'explique certaines choses. Quand tu es dans la cheminée, annonce où tu vas. Je peux pas, je peux pas, Ginny, je peux pas. La bonne cheminée. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de danger ? Annonce. C'est fastoche. Tout va bien, Harry. Regarde, ça ne m'a jamais rien fait. Le chemin de traverse. Ah non, pas un... non, 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 j'étais pas prêt. J'étais pas prêt du tout là. Au secours! Oh! La violence! Au secours! Mais on va jusqu'où comme ça? Pourquoi j'ai un timer? Vous croyez que je dois prendre toutes les dragées? Non! Ça se conduit mal, cette merde! Mais qu'est-ce qui se passe? D'où viennent ces boules de feu? C'est bon. Faut sniffer la poudre de cheminette. Il se prend tous les murs, ce pauvre garçon. C'est très vert. Ça tremble. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien. Eh? Ça va? Mais qu'est-ce qui se passe? Harry n'avait aucune idée de l'endroit où il avait atterri. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il n'était pas sur le chemin de traverse. Des masques sinistres accrochés au mur semblaient jeter des regards sournois, et toutes sortes d'instruments pointus et rouillés pendaient du plafond. Il faut que je sorte d'ici le plus vite possible. Il entendit un bruit provenant de la porte. Et deux silhouettes apparurent de l'autre côté de la vitre.
deux silhouettes. Harry jeta un bref coup d'œil autour de lui et repéra une grande armoire noire. Il se précipita à l'intérieur et referma les portes sur lui en laissant une mince ouverture à travers laquelle il pouvait voir ce qui se passait. Quelques secondes plus tard, une cloche sonna. C'est la cloche en bois. Et Malfoy entra. Oh putain, mais la lenteur du dialogue. L'homme qui le suivait ne pouvait être que son père. Ne touche à rien, Drago. Monsieur Malfoy était en train d'essayer de vendre des objets de magie noire qu'il voulait dissimuler aux yeux du ministère de la magie. Harry se rendit... Oh, c'était tête d'Harry. Le nouveau professeur de défense contre les forces du mal, Gilderoy Lockhart. Gilderoy Lockhart, bien sûr. Dédicacé son dernier livre. Fais-nous un beau sourire, Harry. Ah bah oui, là. Ouais, on va faire la une. Putain. Harry rencontra Ron et Ginny Weasley, Lucius et Drago Malfoy. Ah, elle a pris un coup de jeune. Mais du coup, on va pas du tout jouer le chemin de traverse. Il ne peut même pas entrer dans une librairie sans faire la une des journaux. Ginny, qui adorait Harry, prit sa défense. Laisse-le tranquille, ce n'était pas sa faute. Elle a meilleur look dans le truc. Il se montra très méprisant en voyant les livres d'occasion que Ginny avait achetés. Je crois que ton père ne pourra jamais rien t'offrir de mieux que ces livres. Lucius plongea la main dans le chaudron de Ginny. Arrêtez-vous, ne dites pas plus. Le guide des débutants en métamorphose l'examina brièvement. N'en dites pas plus. Il plongea dans le chaudron de Ginny. Personne ne savait à quel point ce geste de Lucius Malfoy allait influencer leur vie. Ils quittèrent tous la boutique. Ils trouvèrent la voiture à Charing Cross Road et après l'avoir rendue invisible, au-dessus des toits de Londres. Quoi ? Les Poudlard Express se trouvaient loin, s'envolèrent, ils le suivirent. Mais c'est absolument pas dit qu'ils ne peuvent pas prendre le train. Genre, on s'en va, on prend la voiture, on prend le ticket de parking et on va à Poudlard. Il plongea dans le chaudron de Ginny. Elle a que 11 ans. On ne voit plus le train. Essayons ce tunnel. Mais putain, mais comment t'as pas pu voir le train là ? Mais évidemment. Non, 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 je vais jouer ça. Quand la cinématique aura... Ah bah oui, un accélérateur de vitesse. Évidemment. Stop. Arrêtez tout. Moi, c'est bon. J'ai déjà donné. On a déjà passé une excellente soirée, hein. Donc, on va faire une mini-pause. C'est-à-dire que ça va durer environ 30 secondes, le temps de dire merci d'avoir regardé cette première rediffusion. Je ne sais pas quand arrivera la prochaine, mais elle arrivera un jour. Voilà. J'espère qu'elle vous aura plu et je vais tenter de couper. D'accord ? On va tenter. Alors, calmez-vous, s'il vous plaît. Alors...